Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ekroom. Dans cette vidéo, on va tester une map horreur que je voulais tester depuis un certain temps. Je voulais la faire en vidéo. La map s'appelle Fear Survey. On va commencer, c'est parti. Cette map contient du sang, des scènes gore, des flashs à l'écran, des jumpscares, des bruits lourds. Et là, on a différents types de phobies qu'on pourrait rencontrer. Durant l'expérience, donc arachnophobie, thalassophobie, etc. Ça annonce un peu la couleur. Tac. Bonjour. Ça pourrait se lancer. Ah This test was designed to test your endurance and reaction in certain situations. ce test est fait pour tester genre votre endurance et vos réactions face à certaines You will go situations. through a variety of Vous questions allez and avoir une situations. variété de questions et de situations. For each question, select the response which gives the En best gros, quand il y a une answer. question, faut sélectionner la réponse en gros. Donc là, ça nous met plusieurs avertissements. Donc on va dire oui. Let's start with some calibration questions. Ok. Ok, donc c'est juste des How many questions. days are in one year? Là, c'est juste des questions d'essai, il le dit. Combien y a-t-il de jours dans une année? Ben, voilà. What color is the sky? Quelle est la couleur du ciel? Bon, ben. Great. Let's try one of the situations. Please take a close look at the environment. Ok. Ok, d'accord. On est dans une sorte de chambre. Il y a un ballon. Ah, c'est pas genre des bails où on est dans un endroit, il faut. Genre, il va y avoir des questions après, du style genre. Quelle est la couleur du sol ou des trucs comme ça. On va essayer un peu de regarder. Bah, déjà, le mur, ouais, il est bleu avec des nuages. La porte, elle est rouge. Il y a que deux spots de lumière. Le ballon il est rouge. Enfin, après, il n'y a pas grand-chose sur dans cet endroit. Hein. En tout cas, par contre, les bruits d'ambiance sont assez flippants. C'est quoi ça? Je sais pas. Non, je suis même pas touché. Ok. Ready. Awesome. Please answer the following questions based on Ah your ok, donc ils vont nous experience. poser des questions par rapport à What notre color was expérience. the door? Quelle était la couleur de la porte? Elle était rouge. How did this level make you feel? Qu'est-ce que cette pièce dégage comme humeur? Enfin, je sais pas trop comment traduire, mais c'est à peu près ça. De la joie, de la tristesse ou fright. Genre des frissons, quelque chose comme ça. Elle avait l'air plutôt joyeuse, la pièce. Calibration complete. Excusez-moi, je suis vraiment une merde en traduction. Ok, start test. Have you participated in this test before? Est-ce que vous avez participé à ce test précédemment? Non. Are you using a VR device? Est-ce que je crois que ça veut dire est-ce que vous êtes en est-ce que vous utilisez un casque VR ou quelque chose comme ça je pense mais c'est en rapport avec la VR on va dire oui. Are you? Yes, citizen. Est-ce que vous êtes un citoyen américain non? Do you live alone? Est-ce que vous vivez seul? Non. Prepare situation, interview room. Ok, prochaine situation. Putain, c'est stressant par contre. Welcome to the L'ambiance est. interview level. C'est quoi ça? In this level, Oh we sa will mère! test your C'est quoi ability to ça? remember certain Ça. patterns. Pourquoi y a Please un. take a look at the lights on the 5 wall and minutes? remember the patterns. Putain, c'est quoi After ça? that, click on the buttons in front. Ok, en gros, ils nous ont dit que il y a une série de lumières voilà, qui vont apparaître. Et en gros, on va devoir appuyer sur les boutons correspondants. Toi, tu bouges pas, toi. Ok, donc c'est celui-là qui s'est allumé. Donc c'est celui-là. Celui-là. Ok. Celui-là et celui-là. Donc maintenant on a 4 minutes pour terminer le test. Ok, donc c'est tac, tac, tac.
Ok, du coup c'était tac, 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 tac. Ok, donc tac, 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 tac. Hop. Encore, c'est pas terminé. Putain, je sais pas si vous entendez le bruit d'ambiance en fond, mais c'est assez stressant. Ok. C'était celui-là, il me semble. C'est pas encore fini, putain. Tu bouges pas, toi. Ok. Allez. C'est ça et ça. C'est fini? Ok, c'est fini. Ready. Putain, j'adore ce style de jeu d'horreur comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Cette phrase, je la traduis un peu comme ça, excusez-moi. En gros, qu'est-ce qu'il y avait sur la bouche de la fille qui avait en face de nous? Une araignée, un papier, rien. Bon, on va dire rien parce que de toute façon, j'ai pas bien vu ce qu'il y avait. How Je did crois qu'il y avait this rien, de level toute façon. make you feel? Qu'est-ce que ce niveau vous a procuré? Donc normal, stress ou de la peur? On va dire que c'est un peu des deux, de la stress et de la peur, mais on va plus mettre de la peur. Ok, press to continue. You see our puppy on the street. It got it by a car. How does it make you feel? Ok, pareil, excusez-moi encore une fois pour la traduction, mais en gros, je crois que ça veut dire si vous voyez un animal qui se fait écraser par une voiture, qu'est-ce que ça vous procure? De la colère, de la tristesse, de la joie. Moi perso, de la colère. You're out at night. Suddenly you hear a woman screaming. What do you do? Vous êtes dans la nuit et vous entendez une fille crier. Qu'est-ce que vous faites? Vous marchez, enfin vous continuez à marcher, vous appelez de l'aide, vous allez l'aider. Moi j'appelle de l'aide, j'y vais pas tout seul. Parce qu'on sait jamais si c'est. Oh putain. Oh putain. Laissez-moi sortir. Oh, c'est quoi ça? Oups. Oh putain, ça me plaît pas. Shower, locked room. Help me. Je pense qu'on va aller d'abord là-bas. Oh putain, ça me plaît pas du tout ça. Là par contre, je commence à stresser là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse plus de jeux d'horreur sur Rec Room. Parce que c'est un plaisir à faire, mais pas totalement non plus. Parce que c'est agréable à regarder pour vous, mais pas moi qui le vis. Ok, là ça c'est grand. Oh putain. Putain, je me dis pas que c'est une sorte de labyrinthe ou je sais pas quoi. Putain, ma lumière est à moitié éteinte, j'ai eu peur. Puis les bruits d'ambiance en fond, c'est terrible. Je vais pas dormir ce soir. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que je tourne cette vidéo, il est 1h du matin. Donc, comment dire que je vais flipper encore plus? Ok, ça continue par là. On peut pas. En plus, on peut même pas courir. Enfin, on se déplace, mais très lentement. Puis en général, les jeux d'horreur où on ne peut pas courir, je vais te tuer. Bah, sympa l'accueil, merci. Putain, ça doit être quelque chose quand même à faire avec des potes. J'ai cru qu'il y avait écrit. Quelque chose d'écrit. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui allait me poursuivre. J'ai eu trop peur. Parce que d'un coup, le bruit d'ambiance s'est intensifié. Oh putain. Il y a une porte. Open door. La porte est bloquée. Trouvez la clé. Putain, ça me plaît pas du tout ça. Il y a du sang par terre et tout, putain. Mais dis pas, il faut que je retourne de l'autre côté pour essayer de. La seule chose que je passe, c'est qu'il y a un putain de screamer là qui me saute à la gueule. Ça va, y'a rien. Tu sais qu'il peut y avoir une clé là-dedans.
Et peut-être dans l'autre salle, peut-être la clé que j'ai peut-être mal vue, on va aller revérifier. Oh, putain, c'est stressant, je vous jure, c'est. Je suis pas bien là. J'ai cru qu'il y avait quelque chose. Je vraiment, je sais pas qu'il y ait quelque chose. Je veux juste être tout seul en fait. Je demande juste être tout seul dans cet endroit. C'est bon, on est arrivé. Alors, où c'est qu'il y a une clé que j'ai pas vue? Il y a genre dans un coin ou quoi? Peut-être au plafond même? Je sais pas, hein, je regarde. Où c'est qu'il peut y avoir une clé cachée là? Ah, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Hein. Help me. Bah oui, mais. Pas où est-ce qu'il y aurait une clé hein. S'il y aurait pas quelque chose là par exemple. Je sais pas, il y a un cercle satanique. La porte là, on peut pas l'ouvrir. Je sais pas, je dois pas, je sais pas, mettre au milieu, rassembler différents objets qui pourraient faire apparaître une clé, je sais pas. Bon les gens, je viens du coup de trouver la clé. En fait, j'ai un peu cherché, j'avais juste pas le regarder. Donc, on va enfin pouvoir l'ouvrir. Open door. Oh putain, ça continue. Il y a encore un cercle. Il y a des casiers. Oh, je suis au bordel. Je peux pas les ouvrir. Ok, c'est fini. Ready. Answer the questions. Bah donc passons aux questions. You are suffering from depression. Est-ce que vous avez déjà souffert de dépression? Non. Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr? Non ou non? Bah on va dire non. Je. How easy is it to scare you? Est-ce que c'était. Est-ce que genre ce niveau de peur et genre il était facile ou pas? Il était assez difficile, on va mettre hard, parce que c'était un peu difficile. Prochaine situation, la maison. Oh putain. Déjà quand ça parle de maison et que c'est un truc d'horreur, je le sens pas du tout. C'est parti. What was that? Oh putain. Le gosse, il a dit qu'est-ce que c'était. Oh putain, déjà quand ça commence avec un petit qui se réveille en pleine nuit parce qu'il a entendu un bruit. Ça commence super mal. Oh putain. Je suppose que j'ai entendu un bruit, je vais devoir aller voir ce que c'est ça? Oh putain. Je vais devoir descendre. I'm so thirsty. Maybe there is a drink in the fridge. Il a dit j'ai soif, je vais aller genre prendre de l'eau au frigo. Putain, elle est grande la baraque en plus. I should go back upstairs and try to sleep. Il a dit je retourne dans les escaliers parce que je vais dormir. Il va se passer un truc. Il va 100% se passer un truc. C'était quoi ce son? Je vais devoir aller voir, je parie. Oh putain. Putain, mais. Putain, je suis pas bien, les gens. Non. Il y a quelqu'un qui est rentré. Oh non, that is not good. I should go upstairs and call the police. Il a dit je dois remonter les escaliers pour appeler la police. Je peux pas fermer? Je dois peut-être fermer la porte avant, non? Je sais pas. Parce qu'il a pas dit je dois retourner. Ah! Le téléphone, non? Je peux pas appeler les flics? Je dois vraiment fermer la porte? Je peux pas fermer la porte. Oh putain, il y a quelqu'un dans la baraque et. Je prends un couteau. Je peux pas, putain.
Y'a personne. Ici aussi y'a personne. Oh putain. Je remonte. Je m'en fous, je remonte. Y'a pas une pièce à ouvrir? Je dois me cacher dans une pièce. Ah, Cole. There is no power. I should go hide in my bedroom. Ce n'est pas genre ça va pas m'aider, je dois me cacher dans ma chambre. Ou dans le placard? Ah ouais, hide. Oh sa mère. Pardon, excusez-moi, il y a eu une notification. Comment ça? No error occurred. Monsieur? C'est quoi ça? Et les flics, ils viennent quand? Excusez-moi pour la notification. Hein. Ah putain! Putain! Oh sa mère! Tout ce que je craignais, putain, excusez-moi pour le cri, mais. Attendez, laissez-moi juste respirer 2 secondes. Bon, allez, c'est parti. Ready? Ça se finit quand ce texte, s'il vous plaît? Do you regret starting this survey? Est-ce que vous regrettez d'avoir commencé cette surveille, donc la map où on est? Oui, je regrette, oui. Have you ever been doxed before? As-tu déjà été doxé avant? Je sais pas du tout ce que ça veut dire, et de toute façon, il n'y a que yes, donc on va dire yes, du coup. Do you think you're protected against hackers? Est-ce que tu penses être protégé par... Enfin, est-ce que tu penses être protégé des hackers? Oui. Do you believe me if I tell you that I know what's on your computer? Ok, est-ce que tu crois que je sais que ce qu'il y a sur ton ordinateur, je la comprends un peu comme ça, cette phrase. De toute façon, il y a que yes, on va dire yes du coup. Have you ever entered the dark web? Est-ce que vous êtes déjà entré dans le dark web? Non. Non, je ne veux pas y aller. C'est quoi ces questions, mes frères? Au début, c'était des questions. Is this your IP address? Est-ce que c'est votre adresse IP? Y a que yes. On va dire yes. Oh putain. Je suis où là? Oh non, pas encore les couloirs comme ça. Putain. Derrière y'a rien, putain. Oh non. Pas les couloirs comme ça, putain. Ok. Ok, je peux aller là devant. Pas bien. Putain, j'aime pas les. À la limite, je préfère plus la maison que les couloirs comme ça parce que. Putain, j'espère qu'il y a pas quelque chose genre dans un coin ou quoi qui m'attend. Il y a encore un couloir là. Putain, je. Je suis tout seul en plus. Le pire c'est que je suis tout seul. J'ai même pas des potes pour le faire ou quoi. Ok. Il y a encore un couloir là. Oh putain, sa mère. Je transpire. Je suis en sueur là. Encore un couloir. Y a pas de couloir. Sur le côté là peut-être. Y a une porte. Open. S'il vous plaît, laissez-moi sortir, putain. J'entends des voix. Il y a un couloir là.
qui n'était pas là tout à l'heure. Putain. S'il vous plaît, pas de screamer, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Oula. Ok. Ready. Une erreur a été genre aperçue durant la dernière session. Oh putain, encore. C'est quoi ça? Yeuille. Yeuille. Y'a des cadavres. J'y vais pas. Je fais demi-tour. Putain, je peux pas. Y'a des cadavres, y'a des trucs et tout. Oh putain. Oh, putain. C'est quoi ça? Oh, putain, il y a plein de trucs dégueulasses. Encore un mec pendu. C'est quoi ça? Je vois un truc là-bas. Ah, ça m'est la... Excusez-moi, mais... Oh, putain. Ok, je veux pas... Je dois faire demi-tour. Oh, putain. Excusez-moi si je parle plus beaucoup, c'est que je suis en panique, là. Je suis en panique totale. Je suis en train de flipper ma race. C'est pour ça que j'en fais vraiment pas souvent des trucs horreurs, parce que... Et en plus les trucs horreurs sur écran ils sont vraiment violents, donc... Il y en a vraiment pas mal qui sont violents. Et en plus avec la sorte de voix au fond là, c'est horrible. Putain, j'ai failli avoir peur de ça, genre je suis déjà passé devant en plus. Je m'attendais pas à ça, putain. Ah mais je suis revenu. Comment je suis arrivé là, moi? Attends, pas un petit problème là? Comment je suis revenu en arrière pourtant? Alors comment ça se fait que... Ah, c'est fini? Pourquoi il y a un mur là? Je suis où là? Sa mère. Oh putain. Je suis là-bas. C'est quoi ça? Ah, c'est un tonneau avec des trucs. Encore un mec pendu là-haut. Maintenant je me prépare au screamer parce que... Oh putain. Ok, ici c'est bloqué. C'est bloqué. Putain. Il y a un truc là. Ok, je passe là. C'est quoi ça?
Ouais, c'est quoi ça? C'est une gargouille? Putain, c'est un truc avec des tout petits couloirs. Oh non, qu'est-ce que je fous là, putain! Putain, mais en plus il va faire des allers-retours et tout, le truc. Ah! Sa mère. Ok, je suis revenu ici, putain. Congratulations. You have finished the fear endurance and reaction survey. Bravo, vous avez fini. Vos peurs, endurance, réaction, la survie. Putain, c'est pas fini. Mais dis pas que c'est pas fini. S'il te plaît. Pas de screamer surtout. S'il te plaît, pas de screamer. Je sais pas si vous voyez, mais mes mains, je tremble un petit peu. Oh non. Ah! C'est quoi ça? Yoï. Ok, résultat. Vous avez fini du coup, je pense, en 36 minutes. Vous êtes Kinda Different. Je sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite, il y a jouer encore. Bon, les gens, merci de m'avoir suivi sur cette map horreur. Si vous voulez d'autres map horreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, c'était Trickster. Ciao tout le monde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's